Et heureux, j'attends que tout le monde revienne du coup. Bon, j'ai dû relancer parce que bah, on va en parler. Enfin voilà, ça fait aussi partie du truc qui fait que ça casse les couilles, hein. On va pas se mentir. C'est si ridicule. Même ça, vous voyez, ça c'est ridicule aussi. De devoir cut, de devoir pas montrer. Je sais pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vais en parler, mais il y avait déjà 4 clips que j'ai dû delete. Je sais pas si vous vous rendez compte le temps que ça a mis. C'est grave. Le mec qui clip ça, c'est grave. J'ai déjà fait, il y a déjà 4 clips qui ont été faits, gars. Je sais pas si vous vous rendez compte des fils de pute qui existent, genre. Des qui sont. C'est grave, c'est. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué, on va pas se mentir. T'as dit quoi, Taz? J'ai pas compris, beau gosse. En gros, là, vous vous rendez compte que. En plus, c'est même pas un truc de fou, hein. C'est un local. C'est même pas le local où on a le plus de trucs en plus, mais bref. C'est juste un local, frère. Ouais. C'est juste un local, frère. Et il y a des mecs qui sont partis qui le local pour voir combien on avait de guns dans ce local, voir combien il y avait d'argent dans ce local, bref. C'est des trous de balles. Je vous jure, c'est des trous de balles. C'est. Voilà pourquoi un serveur actuellement ça devient compliqué à jouer et qu'il y a une baisse de motif aussi, c'est que t'es là, tu joues pour des trucs, frère, tu te dis mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de savoir qui a quoi? Moi je sais pas, ça mènerait jamais à l'esprit d'aller vérifier dans un. Je sais pas, je piche pas, mec c'est des trous du cul, frère, c'est. C'est des trous de balle, j'ai pas d'autres termes, c'est vraiment des cons. Donc voilà, donc en gros je vous montre, je finis juste un truc hein, et après je vous montre. Mais en gros voilà, il a pris un ban illégal. Alors j'ai ticket, j'ai prévenu, vous voyez, de si, mais j'avais ticket. Bon, tous en fait, en vrai, mais bref. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiqué parce que c'était pour moi, c'est inadmissible. Bref, on m'a demandé de donner le nom des mecs sur scène. Nanana. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris deux frikis. Donc, je vais vous montrer ça en bas là. Attention, 2 secondes. Je finis juste de faire ce que je fais. Je trie les locaux en même temps. Je vais vous montrer, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Ça arrive, Texou. Après, pour les modos, là, je viens de me renseigner. En fait, si je vous donne les droits pour la pub, je vous donne des droits de fou. Donc, faut que je vois. Ouais, droit de fou, non, mais tu peux. Ah, droit de fou, mais pas de fou, mais tu peux. En gros, tu peux supprimer mes rediffs, quoi, t'as capté. On fera un vocal, on en discutera, tranquille. Au pire, je mettrai moi-même. Non, pas à la scène non plus, mais. Ouais, vous pouvez faire des trucs comme ça, T'es loup ou dis? quoi. Ouais, dis-moi, mon ref. On était sur une supérette, il y a des mecs qui nous ont provoqué. Ils ont provoqué les mecs, dégueuler sa supérette, insulter, etc. On les a ramenés piscine et c'est les Irlandais, là, qu'on devait voir. Oh, j'arrive plus. Macquarie. J'arrive, j'arrive. Tu les as là? Ouais, ils sont piscine. Vas-y, bah j'arrive. Ouais, Oji, il est là, il arrive piscine. C'est grave. Oji, il arrive piscine, tranquille. C'est grave. Okay. Merde, putain. Ah, je dis pas que ça atteindra notre rendez-vous, vous voyez. Mais bon. On aurait pu, je sais pas, discuter tranquillement avant d'essayer de se braquer, vous voyez. Question d'avoir. Nous avons discuté, si je peux me permettre. Oula, je. Ouais. Discuter pour toi, c'est nous braquer avec un couteau. Non, nous avons discuté, dire laissez-nous cette supérette, vous avez refusé, malheureusement, c'est parti en. On a affaire à quoi là, du coup? Vous êtes qui vous? Famille Macquarie. Macquarie. Tant mieux, on devait vous voir, hein. C'est bien comme ça en soi. Et du coup, c'est quelqu'un pour m'expliquer ce qui s'est passé parce que j'étais occupé en train de ranger des coffres là, moi j'étais pas. Ok, ben, je t'explique, Oji, en gros, on est en train de faire supérette, moi et Jay. Ouais. Et du coup, bah, t'as une primo noire qui se met devant nous. Des mecs, ils descendent, ils disent comme quoi
La supérette, on était là avant vous, qu'il y avait personne aux alentours. Dès que Jay descend, fait la supérette, il descend et commence à le braquer avec un couteau dans la supérette. Et de dire de dégager, je sais pas quoi, cette supérette. Et du coup, vous êtes parti voir un docteur pour votre manque de QI ou c'est comment du coup? Je peux répondre? Ah bah oui, réponds. Bien, mon QI de 120, mais alors on a essayé de discuter avant, j'ai ouais. dit laissez-nous cette supérette, malheureusement ça a été refusé. Comment ça malheureusement? Attends, mes petits ils étaient là avant, d'accord? Non, on était là avant, on arrivait en même temps mais ils sont descendus avant. Oh. D'accord, donc on est là du coup. Ouais, franchement c'est malheureux, nous surtout, vu qu'on est ici quoi. Non, attends, mais vous êtes, est-ce qu'il y a, on va dire, on va appeler ça, est-ce qu'il y a un grand là en face de moi de chez vous? Oui, je suis là. Ok, tu veux pas parler à la place de ton petit là, comme ça tu portes son nom là, parce que je crois que ça va. Sinon, ça va. Ouais, je vais. Et donc là, en fait, donc là, vous êtes des Irlandais, c'est ça, Macriri, c'est ça le truc? Excusez-moi, j'étais dans mes pensées fortement. Ah, t'étais dans tes pensées, ouais. Moi j'étais en train de cracher mon whisky. Je me permets là, vite. Ouais, tu te permets quoi? C'est la sœur de qui, Lenora? Notre sœur à tous. Non, le téléphone qui dit à Lenora, en message, recule, t'es trop proche des Noirs. C'est qui? Des Noirs? Ouais, il y a marqué, à ta sœur, recule, t'es trop proche des Noirs. On parlait ce n'était pas des Noirs de couleur, hein. C'était des hommes d'une fratrie habillés en tenue noire. Ouais, tu te fous, en plus tu te fous de ma gueule. Bref. Ah non, je me fous de votre gueule, réellement. Ah ouais, ok. Bon, bref, du coup, c'est quoi ton blaze au mec qui est gradé là? Alastar. Ok, Alastar. C'est... Donc là, en fait, parce que moi, mes petits là, c'est des petits, ils vivent dans la rue, ils font des super-aides. Toi, t'es qui toi? Tu vous faites quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes des gangsters pour vous casser les couilles à faire un truc comme ça? Je comprends pas très bien. Écoutez, là. Mes petits frères allaient faire une super-aide, c'est une embrouille, si on peut appeler ça cela, un accrochage entre des petits pour une supérette. Je vois pas pourquoi on est allé aussi loin. Parce qu'ils vous connaissent pas en fait. Bien sûr. Ils savent pas qui vous êtes. Il y a un mec qui vient. Quand c'est des ballasses, des vagos, des trous de balles comme ça, on sait qui c'est. On les connaît, ils sont de la rue, ils sont cons. Donc on les règle sur le terrain et c'est réglé. Vous, on sait pas qui vous êtes. Le mec, il est nain, il est habillé en costard. L'autre, il est habillé en lutin de Noël là. Et vous arrivez avec des couteaux, vous menacez les gars. Vous croyez qu'il va faire quoi? Tu vois, il va te dire ah, trop marrant. Je comprends totalement votre c'est moi qui comprends pas très bien c'est quoi votre démarche en fait. Surtout que la supérette, s'il arrive avant, bat les couilles. Ou t'as d'autres moyens de le régler, bref. Et du coup, vous faites quoi dans la vie, vous? De ce que j'ai compris, vous faites du business de pépites ou je sais pas quoi là? Non. Ouais, au bout d'un moment, nous avons fait un petit business de pépites qui a pas mal marché. Et là, dernièrement, on a un peu ralenti les cadences. Ouais. Ok. Et c'est du coup, ça. Vous êtes voué à faire quelque chose dans cette ville? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous voulez faire quoi? Parce que c'est quoi votre objectif? Parce que si c'est votre objectif, c'est d'aller taper des petites quartiers qui font des super et s'embrouiller avec eux avec des couteaux. Écoute, on aurait pu en parler dans un autre moment et dans un autre endroit. Ouais, mais bon, il se trouve que la vie fait que. Tu vois, moi non plus, j'étais en train de ranger mes coffres. Hein. J'étais pas occupé à me dire que j'allais me retrouver avec des Irlandais dans ma piscine parce qu'ils s'embrouillent avec des petits qui sont au gun box en train de taper sur une caisse. Tu vois. C'était pas... Vous détestez les Mayans en tout cas. Pardon? Vous surveillez les Mayans? Les motards? Nous prenons des informations sur ce joli garage qui est splendide. Ouais. Et du coup, c'est toi le grand patron? Non, je suis en dessous. Ok, d'accord, yes. Yes. Bon, ce serait cool que tu m'expliques du coup si... Ce sera pas plus tard, explique-moi c'était quoi que vous devez faire un rendez-vous, on l'a et ça devait être quoi les présentations et pourquoi pas s'échanger de parler de tout et de rien. Bref, on fera un rendez-vous, prenez son numéro là qu'on refait un truc clean demain là parce que pas une heure dans la piscine que ça va se régler ça, mais c'est un accrochage de merde, on est bien d'accord, j'en ai un peu rien à foutre. C'est cela. Mais je ne prendrai pas en compte ce qui vient de se passer. Prends-le en compte si tu veux, hein, mais sincèrement, ça sera triste pour toi, parce que clairement, nous, on était dans nos normes, on est arrivé, ils sont juste partis faire une supérette, hein, ça aurait été l'inverse, ils seraient pas rentrés avec un couteau dedans, hein, je te le dis. Hein. Et c'est lequel du coup qui a sorti le couteau? Je suppose que c'est le mec en vert. Non, c'est clairement celui qui est en train de te parler. Ah, ok. Et toi, t'es numéro 2, c'est ça? Pardon? C'est toi le numéro 2? T'es un gradé, c'est ça? Ouais, je suis un gradé.
Yes, ok, ouais. Bah écoute, on se reverra demain et on fera ça carré avec ton patron et on verra ce qu'il a à dire sur ça. Je suis pas sûr D'accord, qu'il soit d'accord. content que tu t'embrouilles avec des petites quartiers pour une supérette à 1h du mat, mais après, ça c'est pas mon dos, donc on verra bien. On On verra verra bien bien, ce on qu'il verra en bien. est. C'est qui faisait la supérette chez nous là? Allô? C'était J, Il est c'était J. parti là, il est où? Sur le bol. Ouais, attends. J, t'es radio? Ramène-le-moi en vitesse. Je crois qu'il est parti pisser. Vas-y, bah écoute. Eh, vas-y, foutez-les-moi dehors là. Prenez un numéro avant. Lia, dès que t'as fini avec le téléphone, bah tu lui rends et puis voilà quoi, comme d'hab. Y'a autre chose? Notez, non, non, Ouais. notez le numéro que je vous donne là. Mais fais pas ça devant eux, au pire, Vas-y, si vas-y. c'est un numéro. Mais non, mais c'est à eux. Ah, ok, je crois que tu parlais d'un numéro, ok. 555 56. J'aime trop lâcher des brefs. Ouais, c'est vrai, j'aime bien lâcher des brefs. Bref, du coup. Voilà, bref, du coup. Je disais quoi? Donc, ouais, Smurf il a pris un ban illégal, je vais vous montrer là. Tiens, Barley, reste là, c'est ton mec qui soit là. Tu vas me donner ton avis sur la chose, tu vas voir, tu vas rigoler. Je vous retrouve les clips, là je finis juste les deux trucs que j'étais en train de faire, j'ai bientôt fini, RS est good. Hey, OG. Ouais, dis-moi. Y a quelque chose à vendre là ou pas? Ouais, y'a pas grand-chose là pour moi. Ouais, que ça marche. C'est con. Mais qui t'a expliqué? Bah, mais tu l'as vu ou pas? La question c'est est-ce que tu l'as vu? Parce que le comprendre c'est bien, le voir c'est mieux. Mais encore une fois, vraiment, je vous le dis, j'ai même pas les nerfs entre guillemets. Parce que moi j'ai jamais les nerfs, je suis pas un mec qui est. Je suis pas haineux donc je m'en fous. Mais c'est en fait c'est un scandale de. En fait vraiment faut comprendre que on prend des trucs qui sont justifiés et je peux comprendre. Quand Mason par exemple il a pris un wipe, c'était justifié parce qu'il avait pas à looter sur un corps, il est con, il a pas réfléchi. Ah non mais attendez, vous allez voir, les deux tickets. Non mais moi j'ai les deux tickets que j'ai fait, ils sont pas. Enfin ils sont passés. Ils ont été convoqués. Maintenant de ce que vous allez voir là, je vais faire un truc carré, tac. Le problème c'est pas ça. Comme j'ai dit, ils sont passés, ils sont forcément passés, ils l'ont forcément reçu, tu vois. Oui, mais t'as capté quand je dis jamais les nerfs, enfoirés. Genre, je suis pas un haineux. Avoir la rage et avoir les nerfs, c'est pas la même chose par contre. Hein. Sachez-le. Hein. On se comprenne bien. Bref. Je crois pas, si on va y revenir. Bref, voilà, du coup, ça c'est bon, c'est posé. Pour pouvoir vous mettre la vidéo. Voilà, en gros, ce que j'ai tické, c'est ça. Je vais vous montrer, comme ça c'est fait. Alors, les Voilà. Mais juste un truc, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, pas de trash sur les balas, ça a déjà été réglé. Moi, je suis pas là pour ça, je m'en bats les couilles. Qui fasse des dingueries, ils font des dingueries, ça avait déjà été géré. Et même nous, on en a déjà fait, c'est pas le but du truc. La démarche, elle est pas là. Moi, ce que je parle de ça, c'est pour autre chose. Pas genre, bah là, si on fait une dinguerie, on en a déjà fait, bref. En gros, ouais, si vous trashez, vous prenez un Théo. Moi, je suis pas là pour ça. Si vous avez des choses à dire qui sont intelligentes, dites-les. Si vous avez des choses où vous n'êtes pas d'accord, dites-les. Mais commencez pas à arriver à insulter tout le monde parce que vous n'êtes pas d'accord. Ça va les ravager là, ça va 5 minutes, moi c'est pas ma démarche, bref. Du coup, en gros, le contexte. On venait de toper les ballasts, on leur avait fait crasher que c'était un labo, bref, juste avant. Et là, on était parti pour la guetter potentiellement labo Vagos, potentiellement. Et en fait, il y avait déjà les ballasts, on s'est parqué contre Macré, et au final, ils avaient l'avantage. Voilà. Ça sert à rien de demander trop. Ça va tirer, ça va tirer. Faut pas que ça tire, faut pas que ça tire. Revenez. Prenez les poses sur le temps, montez sur le temps en haut. Lève les mains. Ça tire. Voilà, donc en gros, il se fait rafale. Mais tu sais pas pourquoi. En gros, là, il se rend. Il a pas d'armes, il se fait déglinguer sa mère. Genre, banal. Alors qu'il se rend. Hein. C'est pas nous qui avons tiré. Hein. Je tiens à le dire, on n'a pas tiré. C'est pas nous qui avons tiré. On n'a pas tiré. On n'a pas tiré. Genre, vraiment, on n'a pas tiré. C'est bon. On a vraiment pas tiré. C'est les balles qui sont tirées, je crois. Où il y a eu... Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça n'est pas de chez nous. Voilà, donc il se fait rafale alors qu'il a pas d'armes. Alors qu'il s'est rendu. Soi-disant parce qu'il lève pas les mains. Bon. Soit. Mais tu sais, c'est ce qu'on lui a dit en plus, hein. Tu sais que Silo s'est fait convoi staff et c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, ouais, t'aurais dû lever les mains plus vite.
Après, on lui a pas dit en mode méchant, tu vois, mais c'est ce qu'on lui a dit. Faut pas tirer. Donc, celui-là aussi, il est conceptuel, hein, je vous montre ça aussi. Donc là, on entend Silo, il dit « Moi, je lève pas les mains », mais il, c'est, là, c'est exactement le moment où, en gros, il se rend. Il dit « Je lève pas les mains », mais il va vers eux, quoi. Petit Wagnon rentre. Et vas-y, on n'est pas là pour eux en plus. Ça sert à rien de monter trop, Pas des mots comme ça, si tu veux pas que je te théo pour rien. Faut pas que ça tire. Donc là on veut pas tirer, hein, vraiment c'est pas le but. Hein. Donc là ça a rafale. Voilà, là ça le rafale. Voilà. Voilà, donc le balas il craque son slip comme un trou de balle, je sais pas pourquoi. Regardez bien, ça. Tranquille. Mais. Voilà. Donc on prend ça, voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pris. Vous voyez voilà. Peu importe. Non mais. Tranquille, c'est même pas ça le plus grave en fait en réalité. Vous me connaissez ? Je suis pas quelqu'un qui tiquait. C'est pas mon nom. Mais ou commencez pas à tracher les balas ou je sais pas quoi. Genre chill. C'est pas les balas le problème dans l'histoire. Enfin, ils ont fait une erreur, bref. Le mec, et puis one, il a fait de la D. Terminé, point barre. Ça arrive, c'est même pas le dos. Là où ça pose un problème en fait. C'est que. Genre moi je tiquais. Donc je dis. On veut pas jouer comme ça parce que. Ce qu'il faut savoir en fait dans cette histoire, c'est que il l'a fait exprès parler en plus ce trou de balle. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est que moi je suis en mode, j'aime pas ticket, mais là on avait fait un call réunion staff, genre illégal, dimanche, je crois que c'était la veille, je crois, ou deux jours avant, en mode faites en sorte de lever les mains, essayez d'être. Plus de chill sur ça, arrêtez de faire de la merde, faites des efforts. Là, il lève les mains. Enfin, je veux dire, en plus, on l'entend sur le clip. Enfin, je dis pas qu'on est parfait, tu vois, c'est pas le cas. Mais dans la démarche dans laquelle on est, genre, c'est en mode, on veut lever les mains, on se rend. Même le mec là, le deuxième là, il tire pas. Même gâteau en dessous, il tire même pas, il a même pas d'arme en main. Donc en fait, là, après les flics, ils arrivent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Smurf, lui, il se rend au-dessus. Il lève les mains et là, il lui tire pas dessus. Donc, il se rend. Et en gros, ce que fait Smurf, ce con, il aurait pas dû le faire, mais parce que, bah voilà, il vient de se faire rafale à vue alors qu'il avait levé les mains. Bah, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les guns et il se barre. Et en gros, moi, quand j'ai tiqué en mode, bah, c'est normal, ils avaient pas appris kill. Donc, le staff nous a tous convoqués. Il les a tous convoqués et en fait Smurf il a pris sur ça parce qu'il a récupéré les trois guns, donc des mecs que vous avez vu tomber, hein, vous les avez vus, ils sont tombés. Les trois guns qu'il a récupérés sur la zone au lieu de pas en vain, parce qu'il les a récupérés sur zone au lieu de les récupérer plus loin, parce qu'il pouvait pas les récupérer autrement. En gros, il s'est fait récupérer pour ça et il a pris un ban illégal et un wipe à cause de ça. Et encore, par contre, les balas en question qui ont fait ça, de ce qu'on m'a dit, et je crois que c'est vrai, à vérifier, ils ont rien pris. En tout cas, ils ont eu un rappel. Mais non, c'est pas le staff le problème. C'est pas que le staff le problème. Mais. En gros là, ce que vous venez de voir en fait, hein, voilà, ce que vous venez de voir, c'est un truc que j'ai tiqué. Et là, c'est Smurf qui prend un ban illégal et un wipe. Et en fait, c'est ça qui fatigue, c'est ça qui rend fou, c'est ça qui fait vraiment casser des têtes. C'est genre, en fait, on est, comment dire ça?
Bref, je disais du coup, je me suis mute. Donc, on en est là. Donc, Smurf il prend un ban illégal sur ça. Et un wipe, comme j'ai dit. Est-ce que c'est mérité? Peut-être. S'il considère que c'est mérité, je veux bien. Maintenant que les balles prennent rien, je trouve ça complètement inadmissible. Dans la logique où. Dans la logique en fait où. Bah, c'est pas juste en fait. C'est pas juste. Et c'est pas la première fois. C'est vraiment pas la fois. Genre je veux dire les 4 jours que Sura et Mesmes avaient pris dans l'hôpital, genre donner un gun dans l'hôpital, on est les premiers à prendre ça dans la gueule. On se fait convo à chaque fois pour des trucs, on prend tarif, mais vraiment on prend tarif, hein. on prend des trucs comme ça. Et je dis pas vas-y, c'est même pas à faire la mesquine en mode de, ouais non les familles, non on fait des conneries, c'est normal qu'on paye pour nos conneries et c'est juste, ça je peux le comprendre. Mais quand tu vois ce qu'on prend et ce que nous on prend comme sanction, bah tu dis bah ok. Et après on me dit ouais, Aziel, pourquoi tu tiquais pas? Même le staff me le dit, hein. Si vous remontez pas les problèmes, comment vous voulez qu'on les règle? On a plus de 1000 joueurs sur le serveur, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla. Moi, je veux bien, j'entends bien. La seule fois où j'ai tiqué, il y a un de mes gars, il prend un perma. Enfin, il se fait kicker, il prend un wipe illégal. Mais pourquoi je vais tiquer alors si c'est pour prendre moi cher et les autres pas cher? C'est tout, en fait. Après, encore une fois, c'est justifié qu'il soit fait sanctionner. C'est justifié. Il n'avait pas à loot sur zone. Mon but c'est de parler de ça, c'est pas en mode gnagnagna le staff, gnagnagna les balas. Je m'en bats les couilles de ça. C'est juste qu'en fait, je vous explique juste que là actuellement, j'ai des lives, c'est beaucoup ça. Et plus ça va, plus ça continue comme ça, plus les gens commencent à partir. Après, encore une fois, c'est pas parce que les gens partent que le truc va couler. Et moi, je pense que j'étais là, c'était là toujours, tu vois. Mais oui, ils sont violents, mais visiblement, ils sont violents. J'ai pas la globalité, mais bon, ça dépend quoi. Parce que je suis pas sûr que le fait de tirer sur un mec qui lève les mains, ça soit moins grave. Qu'un mec qui ramasse 3 guns. Maintenant voilà, hein, c'est pas moi qui décide. Moi je vous donne juste mon a priori sur ça. Je comprends tout à fait qu'ils mettent des sanctions. Je pense qu'ils ont raison de le faire. Mais il faut que ça soit juste pour tout le monde quoi. Ou dans ce cas là, voilà c'est tout. Pareil là, faudrait que je vois. Mais les véhicules, moi on m'a cassé les couilles pour les véhicules. Pour qu'on ait des véhicules bien délimités machin mon cul. J'ai tous les gangs, ils roulent avec tout. Voilà, vous voyez, là en gros, il y a un gars que je connais bien, hein, je dirais pas qui c'est, on s'en fout. Il vient de m'envoyer un DM pour vous dire à quel point ce serveur pue sa mère. Enfin, non, pas le serveur. Pourquoi GTA RP, ça pue sa mère. Il y a un mec que je ne connais pas qui a envoyé en gros une vidéo. Donc en gros, il a clippé. Qui a clippé. Le moment. Vous avez dit, en fait, en gros, juste avant, là, j'ai cut ma rediff. En gros, j'ai cut ma rediff parce que, en gros, je me suis trompé. J'ai montré un local où on avait de l'argent. D'habitude, je le montre pas. Et en gros, il a clippé. J'ai cut ma rediff, j'ai delete mes clips. Il a record ma en moins de 3 minutes, hein, ok. En moins de 3 minutes, il a record le clip que j'ai delete avant que je le delete. Et il l'a envoyé à droite, à gauche. Je vous jure que c'est vrai. Et en fait, il l'a envoyé à un mec que je connais, qui est un bon gars, qui m'a envoyé un MP, tu vois. Donc le bon gars, voilà, merci à lui. Je dirais pas qui c'est parce que peut-être qu'il veut pas qu'on dise ça, mais voilà. Mais surtout qu'en plus, le pire, c'est que c'est même pas un truc genre. C'est même pas un truc de fou, hein. Y a rien. Y avait des liasses de billets et 3 et 10 guns. C'était un des stocks qu'on a plusieurs, tu vois.
Le mec, mais je vais vous le montrer en fait, j'ai pas besoin de vous le cacher. Regardez, je vous montre en bas, je vais vous faire un screen. Voilà. Et là, ce qui. Lui là, je m'en bats les couilles, je mets son nom, hein, ce fils de pute. Hein. Donc lui là. Je sais pas qui c'est. Un déglingo, hein, je sais pas qui c'est. Hop. Je suis fatigué. Vraiment, je vous jure, je suis fatigué. Attendez, je vous le mets sur mon Discord. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Attendez, je vous montre en bas. Ça, vous voyez. Je l'ai mis dans Discu HRP, comme ça, vous voyez bien. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc ça, c'est GTA Life. Enfin, c'est GTA RP, hein, GTA Life. Vous voyez ça? En gros, c'est un mec, vraiment, et quand je vous jure que c'est vrai, j'ai délette en 3 minutes chrono, ou pas, c'est bon ou pas? J'ai délette ma rediff en 3 minutes chrono, le mec, il a réussi à prendre un clip, à le record, pour ensuite l'envoyer random à des gens, en disant, regarde le nouveau stock des Families. Genre, vraiment, on en est là. Lui, là, c'est ce gros trou de balle, je sais pas qui c'est, mais si vous le connaissez, bah force à lui, hein. En tout cas, il a un bon cerveau. Ça, je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Lui, vraiment, goal, l'instaban partout, vous le voyez. Genre, vraiment, lui, qui fait en sorte que. Lui, il dégage de tous les streams. Voilà. Ah, bah, mais c'est pas un joueur. Hein. Et pourquoi je suis pas sub, je me suis sub hier. Parce que ça doit être dans l'affichage, Barley. Faut que tu te mettes dans l'affichage, mon ref. Je sais même pas quoi vous dire. Donc voilà, ça c'est pas des choses dont je voulais parler un petit peu aussi. Je sais pas quoi vous dire. Je comprends pas comment un mec peut faire ça. C'est débile. Ah mais bien sûr qu'il y a du méta. Bien sûr, mais Aoru, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, mon ref. En gros, c'est comme ça, il sait combien d'armes machin il a. Combien de trucs il a, si. C'est des mecs, c'est des ravagés, frère. C'est niveau cerveau. En plus, encore, en vrai de vrai, hein. En vrai de vrai, je laisse ma rediff ouverte. Je laisse la rediff ouverte. Je vois pas vraiment, tu vois, j'oublie de la délette. Je peux comprendre. Enfin, je comprends pas, mais vas-y. Le mec qui regarde la rediff, ils vont la regarder entre eux. Nique sa mère, tu vois. Mais gros. Le mec, il s'est dit, il l'a envoyé à des mecs qu'il connaît même pas. En plus, là, il l'a envoyé à un mec, c'est un bon gars, il me l'a envoyé. Il m'a dit, attends, regarde, c'est un trou de balle, tu vois. Mais il se trouve qu'il l'a envoyé à un mec qui m'aime pas, un Ballas, je sais pas moi, un Mara, un Vagos, une organisation, j'en sais rien, moi, on s'en fout. Et donc là, il y a des mecs qui peuvent avoir potentiellement des armes, nombre d'armes que je peux avoir dans ce stock-là, sans raison. En 3 minutes chrono, il a eu le temps de aller sur une rediff, clipper et record sa rediff, frère. Et après on se dit ouais j'étais live, je comprends pas pour. Frère, c'est des débiles. Lui vraiment 12 ans, pas 12 ans, il a été fait à l'eau de Javel, faut le dire. Ce genre de personne. Et le problème en fait c'est que. Ça c'est. Les gens ils font genre les étonner et tout, mais les trois quarts des gens sont comme ça. Les trois quarts des gens, pas forcément à clipper ou quoi, mais dans le délire de vouloir savoir. Quoi? Mais quoi? Merci Gujita pour le quatrième moment. Ouais, MP moi à Discord si tu veux, Joe, je m'en fous. Pas de problème. C'est terrible.
Oui, non, mais d'accord. Mais en fait, moi, depuis, là, c'est juste que j'étais fatigué, gros. En fait, c'est pour ça que je disais, là, on a fait un. Hey, je vais vous le dire, j'ai rien à vous cacher quoi. Moi, là, il faut que je fasse une petite pause. Je vais faire une petite pause. Moi, j'étais à Life, là. J'ai fait une petite pause juste de 2, 3, 4 jours dans quels jours qui viennent, je sais pas encore quand, pour off un petit peu tout ça. Parce que là, je suis en train de faire une surchauffe. Ça se voit, je suis un peu moins motivé aussi parfois. Je suis moins dedans. Parce que, genre, ces trucs-là, moi, je peux plus en fait. Tu compares des trucs, mais tu te dis, mais t'es censé jouer à un jeu vidéo chill. Arrête, tu connais, il y a toujours un peu de tension, toujours un peu de seum, toujours. Voilà, normal. Mais j'ai pas envie de me rendre. Tu vois, je veux pas me rendre parce que je me suis pas cassé le cul pour rien, tu vois. C'est de l'abus, frère. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. C'est des trucs que tu peux pas en fait. Y a rien à yo loco bien. Y a pas à comprendre en fait. Non, c'est pas ça va pas. C'est juste pour le par respect, par le fait qu'on s'est cassé le cul à être en cavale, tu vois. Enfin voilà, ouais, ça va. Donc voilà, on en est là. Le RP, ça ravage les gens. Tu peux pas jouer de la même manière que tu veux. Oui, j'ai vu. Je suis en train de le lire en même temps. Non mais tranquille, Joe. T'inquiète pas. Je sais pas si tu m'entends encore, mais t'inquiète. Ça, on le savait déjà depuis longtemps et ça, on tourne toujours. Donc y a pas de problème. T'inquiète, mon ref. C'est pas un problème. T'inquiète pas, Joe. Mais voilà, on en est là à se poser des questions sur le pourquoi du comment pour des trucs, mais tu comprends pas. Et ça bouffe en fait le cerveau parce que tu peux pas te focus sur ce qui est censé être le jeu, à savoir faire du RP. Voilà. Tu dois réfléchir à ce que tu dis, à ce que tu fais. Puis, tu prends des dingueries pour de la merde. Ça y est, frère, ça y est. Vraiment, vraiment, vraiment que je me pose, moi, et je réfléchisse autrement parce que sinon, je vais casser ma tête. Enfin, voilà. Ça, c'est où on en est au niveau du RP. Ah, les familles, ça va mieux, on a récupéré. On a récupéré du monde, on va repartir comme à chaque fois, mais bon. On a toujours des bad timings aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein. À chaque fois qu'on arrive à 20, voilà, Non, mais je veux pas me rendre pour le moment parce que ce serait nul pour ceux qui sont. Ah, c'est pas sûr que ça marche. Faut vraiment que je fasse une pause, moi, que je souffle un bon coup. Vraiment. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je sais. Faut que je te capte en plus, pendant, mais. Moi là, mon cerveau, en fait, le problème c'est que je suis en cumul. Je suis en cumul et. En fait, on me le dit, il faut que je le fasse. Après, j'aime pas lâcher en fait. Le problème c'est que j'aime pas être en dehors du truc quand ça se fait. Ça va me faire chier de savoir qu'il y a du monde en jeu et de pas y être parce que voilà. Mais faut que je le fasse. Faut que je offre mon crâne totalement et je reviens 3-4 jours à fond et voilà quoi. Ouais, même pas pour jouer à d'autres jeux. Même, rien que le fait d'avoir. Même pas sur les 4 jours, tu vois. Mais rien qu'une journée où je suis pas devant l'ordi, je pense déjà ça va éteindre mon cerveau, ça va me faire du bien. Je vais revenir plus déterminé, tu vois. C'est tout. Et après, il y a tout le côté HRP, enfin bref. Option RP, mais je sais pas, moi j'en sais rien. Je te dis, moi vraiment, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais par rapport à ça, vraiment, je me prends pas le crâne. Je vous jure qu'à ce niveau-là, je me dis même pas quoi que ce soit. Je vous jure, c'est même pas le cas. C'est quand même grave. Hein. Je vous jure, j'en reviens pas à la vidéo. Hein. Que le mec il ait clippé ça, ça me. Je sais pas. Comment vous expliquer ça, genre c'est aberrant, c'est. En fait, le mec, j'aimerais juste vraiment, je donnerais beaucoup, hein, pour l'avoir en vocal. La vie de WAM maintenant, je donnerais beaucoup pour l'avoir en vocal et qu'il m'explique pourquoi il fait ça. Juste, ne serait-ce qu'avoir un argument. Vraiment, il me donne un argument, un seul, un argument qui justifie de faire ça. Juste un seul. Et je sais qu'il n'y en aura pas, frère. Je sais qu'il n'y aura pas d'argument parce que t'as pas d'argument pour faire ça. Parce que ta vie elle est nulle, ta vie elle est triste. T'es là, t'es sur des lives et je sais pas. Mais jamais je ferai ça, ma soeur. J'ai même pas d'intérêt à faire ça. Je sais même, non, même pas. Ça doit être un mec qui doit être passé par hasard sur live. Je sais pas, frère. Je sais pas, frère, je comprends pas. Vraiment, j'ai du mal à intégrer l'idée, tu vois.
s'est passé quoi? Bon, y a des mecs qui stream stalk, hein, stream hack et qu'on est comme ça. Je te raconterai au pire, mais bref. C'est un dos, hein, on va pas se mentir. Hein. On est sur un concept assez je sais pas. Tu te dis. Le mec, c'est le mec, il a un crâne, mon pote. Mais le problème, c'est que lui s'est fait cramer, tu vois. Parce que j'ai eu la chance qu'on me le dise. Mais le truc qu'il faut prendre en compte maintenant, c'est que ça, il y en a 45 000 des détraqués comme ça, les gars. Ça qu'il faut prendre en compte. Il y en a 45 000 des détraqués comme ça. Et des mecs qui jouent au jeu, je suis sûr. Qu'ils le diront jamais, parce que si tu dis ça, tu te fais baiser. Mais des détraqués. Parce que moi, j'ai mis ce clic, je pensais que j'avais pas la scène en fait. Donc j'avais pas fait gaffe. Après, ça reste, j'aurais dû faire gaffe, mais. Ouais, le mec il devait être heureux en plus, c'est ça, Joe. Il devait être au max de sa vie. Il devait être. Ah yes! Ah, j'ai découvert que dans un local des familles, il y avait 100 000! Ah, ma vie est géniale! Mais baisse ta mère! Un détraqué, mon frère, c'est. Ouais. Je sais pas quoi vous dire. Bon, voilà, du coup, on en est là. Je vais aller faire un peu de foot champion, je pense, là. Pour ceux qui restent encore après, ceux qui étaient là pour parler d'RP, bah, la session est terminée. À côté, mais encore arrivé une dinguerie, je te raconterai. Et oh non, je me prends la tête, tu vois, J-Pox en gros. C'est pas genre je me prends la tête. C'est en mode. En fait, c'est un cumul qui fatigue, tu vois. Ouais, le mec de mettre du violet dans la vraie vie, je pense, c'est logique, mais bref. C'est juste là, c'est le cumul. C'est juste le cumul, c'est tout. Il y a plein de trucs qui font que et ça fait beaucoup et c'est chiant en fait. Tu passes plus de temps à régler des problèmes ou à te prendre la tête qu'à jouer en fait. Et c'est pas ce que c'est censé être le RP, tu vois. Pareil, normalement quand tu stream un jeu, tu devrais être chiant. Je peux même pas me focus sur mon stream parce que je dois faire attention parce que je montre un local, frère. Un local, on parle pas de genre. Encore un labo, vas-y. Un labo, je peux comprendre qu'il faut le cacher. Même si ça fait chier, je peux le comprendre. On parle d'un putain de local. Genre, je sais pas. À croire un local, c'est un truc de fou baiser, genre. Je sais pas, c'est. Bref. Ouais, tranquille, Cancan, vas-y, bonne nuit, mon frère. C'est tout, j'ai rien à discuter, y'a rien à dire, y'a rien de plus à faire parvenir, de toute évidence. Je vais faire un peu de FIFA, un match ou deux pour mon foot champion, et après je vais sur Apex, là il y a Sura et je sais pas qui sont dessus. Je les rejoindrai peut-être s'ils sont encore là. Donc FIFA, Into... FIFA into Apex. J'ai joué un petit peu hier, j'ai fait 3 victoires, 1 défaite, c'est pas un énorme start mais bon. Le mec avec qui j'ai joué hier, j'ai perdu quand un mec était bon. Donc j'ai pas de regrets. Faut que je lance un truc en plus, j'ai un Discord, on parle un peu. Bah je suis en live mon ref ton là, c'est compliqué. Après si tu veux mon ref. Mais là en live, à moins que tu veux raconter ta vie devant les gens qui connaissent même pas, mais si tu veux viens. Mais bon, je suis pas sûr que t'as envie de raconter ça. Y a eu, dites-vous, en 3 minutes j'ai vu le nombre de, j'ai delete 4 clips. Moi je m'en fiche, je suis là. Bah si tu veux mon ref, mais je suis en live, tu connais, c'est toi qui vois, hein. Oh, c'est quoi ces cartes là? What the. Oh, la carte de Kimmich, elle fait rêver par contre. Oh, je la veux la carte de Kimmich par contre. Pourquoi je l'ai pas? Attends. Je veux la carte de Kimmich moi. C'est mon nouvel objectif. Okay. Attends.
J'aurais dû prendre des crédits, putain, j'aurais cherché chez Kimich. Il doit coûter la peau du HUC par contre. Bah si c'est ouf, dis pas en live, tu me diras après, on s'était un fou toi. Tu veux raconter en live c'est... En fait, c'est des trucs que je peux pas dire en live aussi, frérot. C'est ça le truc. Tu connais? Des trucs que je peux pas dire en live en fait. Enfin, y a des P-World et tout, que tu peux pas trop dire. Là, c'est comme tu veux, mon ref, hein. Si tu veux me raconter, vas-y. Tranquille. Non, mais ils vont être contents. C'est pas la question. Vas-y, bah viens si tu veux. Appelle-moi sur Discord si tu veux. Bon, fais gaffe à ce que tu racontes. Oh, je... Vas-y, viens, mon ref. Allô? Ouais, ça va quoi, BG? Tranquille, et toi? Ouais, ça va. Attends, je fais un truc comme toi sur FIFA, mais vas-y. Ouais, je vous présente Gogeta, c'est un pote. C'est ça qui est drôle. Ouais, vas-y. Mais non, parce que tout à l'heure t'as dit faut que tu passes tout ça et vas-y, moi je t'attends. Hein. T'as coupé mon son sur. Non, il m'a. Ah, mais ils t'entendent. Il dit pas de dinguerie, dis pas de riche. C'est pour ça. Raconte-moi pour ça. Non, il faut que je passe, j'ai pas le temps, frère. Ça y est. T'as dit quoi? J'ai pas le temps, frère. Je stream les gens de 4, j'ai trop de trucs à jouer, c'est un délire. Je te jure, c'est compliqué. Des streams? Ouais, j'ai pas le temps de passer. Sinon, je serais passé déjà. Ah non, oui, tu m'as dit. Non, mais tu m'as dit tu passerais de ça. Ouais, je vais passer. Mais en plus, tu pourrais passer parce que j'ai un deuxième ordi. Donc en vrai, tu feras tourner GTA largement facilement. Tu vois, si jamais tu veux absolument live, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ouais, tu connais après. Non, mais dans quel but, tu voulais dire quoi du coup? Ah, j'essaie de trouver ça. Bah, déjà, ça, ouais, tu passes quand tu veux, t'es le bienvenu. Et bah, je vais être papa. Jure, félicitations, mon ref. Incroyable. Incroyable, félicitations. Ça fait plaisir. Ça fait que 2 mois là pour l'instant. Donc, ça se passe bien. Incroyable. Bah écoute. Ça y est, ça me rajeunit pas moi. Ça y est. Ouais, donc on s'excite pas trop. Mais voilà, 2 mois quand même. Incroyable. Merci le chat, c'est gentil les gars. Incroyable. Si c'est une fille ou un garçon, tu sais pas. Plaisir. Non, je vais pas savoir. Moi, je vais attendre. Un peu comme les influenceurs, tu perces un ballon, il y a la couleur. Tu vas faire un baby boom. Incroyable. À fond, incroyable. Baby shower à fond. C'est grave. Fort. Et okay, voilà, merci le chat, c'est gentil, je vous connais pas, mais. Tranquille, c'est normal, ils sont polis. Ils sont polis, encore heureux, sinon on casse des merdes. Non, mais c'est ça ton problème. Non, mais ça fait plaisir. Tant mais franchement, c'est cool, en vrai, ça fait plaisir. Non, ouais, ça fait plaisir. Donc, ouais, par contre, tu vas, comme il dit, tu vas pas beaucoup dormir. Donc, bientôt, soon, tu dors plus. À fond. Mais après, à ce qui paraît. Déjà que. Ouais, quoi, dis-moi. À ce qui paraît, c'est... Ah, attends, écoute combien, 200, 280 000. Je pense que je vais l'acheter direct. Hein. Il a baissé. Mitch. Putain, j'ai les nerfs, il a baissé. Faut que je le vende tout de suite avant qu'il rebaisse trop. C'est quoi, c'est sur le 21, là? Faut que je l'achète direct. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Kimmich à vendre. Ouais, les nus, ça va être dur, mais bon. Tranquille, non? Il faut évoluer dans la vie. Bah, il faut oui. Se fatiguer pour ce genre de choses, tu vois. Ouais, clairement. Ah putain, il a baissé de fou, faut que je le mette direct avant qu'il baisse trop. De ouf. Clévy, il a dit quand elle aura 6 mois de grossesse. Ça sent le vécu ou pas? Non, je sais pas si Clévy a eu des gosses en vrai. On va faire ça. Ah oh, putain. Je pense que frère, à 2h du matin, elle va me dire, va me chercher des Oreo, frère, je vais craquer. Gars. Putain, j'aurais dû prendre les crédits, j'ai les nerfs. C'est avec le Kimmich, ça fait 230 000 à peu près. Peut-être l'avoir pour 230 000, mais je pense qu'il va pas passer. Hein. Celui-là, là. Eh ouais, il passera pas à 230 000. Tu peux l'avoir pour combien celui-là? Il va baisser un peu, je pense. Ouais, 295 000. Il y a moins d'aller le gratter après. Faudra juste que je racle les fonds de tiroir, quoi, c'est tout. Parce que ça fait plaisir d'avoir le Kimmich. Quand ça va t'embrouiller parce que tu... Ah ouais, après je connais, ouais, vous connaissez, hein, la femme enceinte, c'est normal, frère. Hein. C'est les hormones. Ah putain, bon. Mais rien que là, mais gros, ça fait que 2 mois, mes frères, elle a changé de caractère direct. Là. Jure. Ouais, tu sais, elle était un peu, je vais pas dire soumise parce que c'est mal approprié. Non, mais après, les gens, ils comprendront. Mais tu vois, elle était... pas renfermé sur elle-même, mais quelqu'un de pas très caractériel, tu vois, en soi discrète, une fille discrète, tu vois. Et là, frère, là, t'es dingue, j'en prends plein la gueule. En 2 mois, j'ai besoin de redécouvrir une nouvelle femme. Aga. À fond. Ça va connaître, tu connais les petits là que tu changes sur
sur le petit matelas, ça commence à te pisser dessus et tout. Qu'est-ce que tu me baragouines, toi? Quand tu changes les couches et qu'il te pisse dessus en même temps, wesh. Ouais, t'as regardé des vidéos pour changer les couches, ça y est. Ah, gros. Faut s'entraîner mentalement déjà, après. Physiquement, on verra sur le tas, hein. Trop de balles. Du coup, faut que je vende ça là. Faut que je vende des joueurs parce que sinon j'aurais pas assez pour acheter mon joueur. Ouais, tu connais Clévy, mais on est tous gentils au fond. Donc, c'est un mot, il est. C'est un mot, il est trop. Sois gentil avec lui. Oui, mais je suis toujours gentil. Bah, de toute façon, c'est quelqu'un de gentil. Et, il porte son gosse, c'est des fous. Genre, il dit ça en mode. Ouais. À quoi je la gifle et ouais, tout. Ouais, des fous, quoi. Genre, c'est sa femme. Elle... Bien sûr, j'en prends soin, ça fait. 4 ans, quand même. ça fait 4 ans aussi, oui. Ah, y'a gars. Ça passe vite, hein. Fort, hein. Ah, ouais. Eh, ouais, mon pote, je suis allé chercher le Kimmich Chun là. Mais toi. Non, pas toi. D'avoir des gosses. Non, mais t'es toujours avec celle que non, tu non, m'avais non, dit, non, qui habitait un peu loin. Non, t'as changé. Non, dis-moi, ouais. Dis-moi, m'avait privé, ouais. Toi aussi. Les viewers, ils sont pas au courant. C'est pour ça. C'est un mec, toi. Laisse ma vie. Ça date, t'as vu longtemps. On parle pas de trucs comme ça. Ça fait des mois et des mois. Aïe, 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 c'est grave. Oh, ça va, des mois et des mois, il a dit. Tais-toi. C'est grave. Raconte pas ma vie privée ici, sinon je vais te kick un sort. Je vais perdre un match pour te kick, ça y est. Non, je te regarde, besoin de toi. Ça fait longtemps, c'est fini. Je chill. Comme. Mais du coup, quelqu'un ou solo? Non, à 3. Toi, t'es. Ça y est, sois tranquille. Je te raconterai en off, mais pas en live. Moi, je dirais. Oh, rien de ça, le mec. Y'a rien du tout. Ça y est, y'a rien du tout. Sois tranquille. Ça y est. C'est que des bonhommes dans ma vie. Je suis seul. Le pro, tu connais. Je suis le seul streamer et il invite des mecs qui te mettent dans la sauce. Genre, c'est. C'est grave. Mes viewers, ils aiment trop tout savoir, frère. Parce que je leur dis pas tout ce que tu connais. En fait, tu connais. Vie privée. Les viewers, là, restez discrets. Oui. Vie privée, commencez pas. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes comme dinguerie, frère? Non. Il dit carrément rien. Normal, je suis pudique. Vous êtes là, vous me racontez. Ça y est. Qui je racontais, ouais, faut que je gagne ce match, moi, parce que je suis là, je raconte ma vie, mais ouais, je vais pas être focus. Vas-y, focus. Moi, je lis ton chat en même temps. Ça anime mon chat. Est-ce que vous êtes vrai? Non, je rigole. Tranquille. Au calme, non, je vais apprendre à les connaître un petit peu. Ouais, apprends à les connaître, ouais. Je retiens les pseudos. Ah putain, ça m'étonne qu'il n'y ait pas Ali et Roulen qui se manifestent depuis tout à l'heure. Hein. C'est tout le temps là d'habitude. Vas-y, j'ai pris un but, je suis pas focus, c'est grave. Ouais, t'es pas dedans. J'aurais pas dû le jouer. Non, mais je peux pas, quand je parle, je vais pas être focus, je le sais. Mais parle pas, t'inquiète. Okay. Regarde. Ça y est, toi. Tu veux que je fasse le commentateur ou ça va te distraire? Bon, bah, vas-y, fais, mon bah, les couilles, frère, fais ce que tu veux. Je vais juste me focus, mais. Fais ton truc. Non, j'y pousse là, arrête de dire n'importe quoi. T'abuses toi, t'es dans l'excès. Ça y est toi, c'est toujours pareil. Je suis un mec bien, sachez-le. Hein. À fond, vous le connaissez pas en vrai, moi je le connais en vrai. Hein. Ouais, c'est des fous quoi, genre, jamais. Ouais. Je suis un mec bien, laisse-moi tranquille. Et je suis pas hors-jeu, si je suis hors-jeu. Ouais. Et léger, la jambe, l'accélération. La gars. Ah, c'est le week-end. Profite, HZ. Oh, ouais. Week-end, mon frère. Je suis tout le temps week-end, moi, ce temps-ci. Ah, à fond, même moi. Oh là là, j'ai fait une formation dans la fibre et tout, mes frères. Ouais, avec le Covid, c'est. Ouais, cool. Ça va. Avec la Covid, c'est. Non, cool. Bah non, tu taffes, c'est considéré comme le bâtiment, un peu, en fait, tu vois. Ok, ouais. Tu travailles pas, du coup, là? Non, du coup, non. Chomdu, tu connais. Tu le touches au moins, le Chomdu? Ouais, oui. Ok. Carrière, non. Ouais, putain, on a vu sa vraie nature en RP, ouais, mais RP c'est dire quoi? C'est du roleplay. Ouais, mais ils me connaissent pas, t'inquiète. Tu joues le rôle de quelqu'un. En fait, moi mes viewers, ils aiment trop me faire en fait. C'est leur délire, laisse-les. Ah, ouais. Ils aiment trop me faire penser pour un bandeur et tout, genre ils kiffent trop. C'est trop leur vie. Ils aiment trop ça, genre. Laisse-les tranquilles, ils sont heureux comme ça. À fond. Ah, gars. C'est grave pas un bandit, moi je vous le dis. Je suis un mec droit, vous êtes là, vous voulez me faire. En plus, t'es un mec là intelligent. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est.
Ça, il va être gênant, il va être gênant. C'est ton problème. J'ai rien dit. Non, je sais ce que tu vas dire, commence pas, genre ça y est. J'ai rien dit. Non, mais je te connais, Av, c'est un Non, j'allais dire, je jouais jamais au loup-garou avec lui. Tu connais pas Among Us? Among Us? Ah ouais, non, toi tu. Oh non, vas-y. J'ai jamais joué avec toi, frère. Ma mère, j'ai jamais joué avec toi. En plus, quand tu respectes bien les règles, que tout le monde se mute et tout là. Oh non, jamais joué avec toi. Gars. C'est sûr. Ouais, bien, on rigole bien, c'est ancien que ça aussi. Bon, on n'a pas trop de temps à y jouer, mais. Mais le nombre, ça compte pas. Le nombre, c'est. Eh, le nombre, c'est qu'un chiffre, les gars. Combien de meufs il a eu dans sa vie, ça veut rien dire. Mais. Oh, vous voulez savoir. En plus, ils veulent savoir, mais vous savez très bien quel homme est capable de dire aujourd'hui, ouais, moi, je suis resté. Mais attends, il parle pour lui, là, parce que moi, j'ai passé pour un. Moi, je parle pour lui, là, moi, j'ai rien à dire, j'ai pas de réponse à donner. Vas-y, mais parle pour toi. Focus-toi, là. Focus-toi. Je peux pas agir. Quoi, je me focus, frère. Pourquoi j'ai lancé un match, je suis un trou de balle. Non, parce que j'allais dire des trucs graves bien. Oui. Moi, j'ai dit des trucs graves bien, vas-y. Ouais, focus-toi. Quel homme dans sa vie, ouais. Ouais, quel homme dans sa vie n'a pas profité. Clairement, oui, ça veut pas dire. Et profiter, ça veut pas dire qu'on est v'là le bâtard, tu vois. C'est. Aujourd'hui, il y a aucun homme capable de dire j'ai été droit toute ma vie. Quoi? Avec les filles, tu vois. Bah, moi, je le dis, ça le fou. T'es un fou, toi. C'est... Mais toi, tu dis rien, c'est pas. Mais ma parole, non, je suis abusé, toi. Non, mais dans les relations, oui. Bah, quand voilà. T'as des relations, oui. Mais maintenant, quel homme n'a jamais zigzagué quand il était seul, tu vois ce que je veux dire? N'a jamais profité quand il était seul, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, mais c'est pas une question de droite. Oui, c'est ça. Autre chose. Mais ça dépend. Bah non, mais... Tu sais qu'il y a des mecs ou des meufs, ils font rien, frère, hein, crois pas. Hein, Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas juger. Merci pour le 9e mois, mon refton. Merci beaucoup. Ah ouais, il y a des anciens, c'est bien ça. Ouais, que drôle. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire de quelqu'un qui est seul, qui profite, que c'est pas quelqu'un de bien. Tu vois, c'est ça que je veux dire en fait. Personne n'a dit quand, ça. Quand t'es... Ouais, oui, mais si tu veux dire ouais, combien t'as eu de meufs, machin, tout ça. Et frère, c'est ce que je dis, ça veut rien dire un chiffre. Parce que tu peux avoir eu juste une seule meuf et 45 plans cul. Tu vois ce que je veux dire? Bien joué, mon ref. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc ça, le nombre en vrai. Ah, gars. Non, tranquille, après, tu connais. Là, je dis dossier sur Azil, on veut tout savoir. C'est ça votre problème. Est-ce que ça vous t'habite? On va les faire peur un peu. Non mais ça vite fait où j'habite, mais commence pas à donner mon adresse aussi par contre. Mais non, département tu connais. Oui, ça. Enfin pas bon, tous mais la plupart ils savent. Très tranquille, hein, je suis pas un gangster. Non. De toute manière, si t'étais dans une mafia, tu serais pas un gangster toi. Tu serais le mec qui fait les plans. Tu serais le cerveau. Ça gars. À côté du marché, bien ça, c'est moi ça. Ah, moi aussi, ça, c'est moi à côté du marché. Gros. Casse la tête, ils font trop de bruit. Ouais, ça va mieux que le confinement, ça va mieux, mais putain, il me donne un mal de crâne. C'est tombé. Terrible, mon frère. M'étonne. Mais bon, c'est la rue, comme on dit. C'est la street, ouais. C'est la street, Zer. Du coup, c'est pour quand les termes de ton petit? Et bah figure-toi que je suis du 26 juillet et apparemment c'est mi-juillet normalement. Ça serait incroyable que ça soit le même jour. T'imagines? Mais ouais. C'est ce que j'ai dit mais comment. Déjà moi je voulais un bébé d'été et c'est pas voulu entre guillemets. Pourquoi tu veux un bébé d'été exprès? Bah parce que moi je suis d'été, c'est kiffant les bébés d'été. Les bébés d'été. Ouais mais bah ouais c'est comme ça qu'on dit, c'est un bébé d'été. C'est quoi un bébé d'été genre? Moi j'ai un gosse, je m'en fous quelle année, quel mois il est né. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, tu vois, ils préfèrent. C'est-à-dire, t'as mis la graine exprès, t'as fait des calculs. Non, bah justement, c'est ce que je t'ai dit. Moi à la base, moi je suis de l'été, donc je voulais un gamin d'été aussi, tu vois. Et justement, la nature a fait que, comme par hasard, il va être en été aussi. Ok, bah lourd en vrai, hein, c'est ce que tu voulais. Mais qu'est-ce que je voulais dire, t'as galéré, t'as mis du temps à que elle tombe enceinte ou c'était vite fait? Non, même pas, elle a dû arrêter la pilule 3 mois, je crois. Incroyable. En vrai. Ouais. Bah, en fait, le truc qui est incroyable, surtout, le truc qui est vraiment incroyable, c'est qu'en fait, à la base, elle avait mal au niveau de l'aine, un peu, tu vois. Ouais. Genre un peu ça, tu vois. Ouais. Mais c'était pas un appendicite, tu vois. Ouais. Parce que c'était le mauvais côté. Ouais.
Et du coup, elle va faire des radios, des trucs comme ça. Et en fait, il lui annonce une endométriose. Ah oui, moi, endométriose, frère, je connais que dalle, frère. Elle me dit, bah, en gros, je vais avoir beaucoup de mal de faire des enfants. À faire des enfants. Aïe, aïe. En gros, c'est ça qui a été annoncé au début. Hein. La meuf, ouais, c'est ce qu'elle lui a annoncé. Okay, ouais. Donc, voilà, elle lui prescrit une IRM pour être plus précis, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, le docteur, donc là, c'est un vrai docteur, au moment où elle rentre dans l'IRM. La dernière fois, c'était pas un vrai docteur. Non, mais c'était une meuf, tu vois, qui fait les radios. C'est pas un docteur, tu vois, il a pas fait 10 ans d'études, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Yes. Et donc, du coup, là, c'est un docteur, quand elle rentre dans l'IRM, tout ça, elle commence l'IRM et tout. Et le docteur, il vient, il arrête tout. Et elle lui dit, bah, qu'est-ce qui se passe, machin. Normalement, ça dure 20 minutes, une demi-heure. Et là, ça a duré 4 minutes, tu vois. Ouais. Et le docteur lui dit, bah, excusez-moi, madame, mais c'est pas normal que vous soyez là, vous êtes enceinte. Il a lâché ça banal comme ça, genre. Oh, ouais, il a lâché ça comme ça, en fait. Je suis mort, t'es à côté de toi. Non, moi, j'étais pas là, elle m'a raconté. Ouais, elle lui a dit, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Je lui ai dit, je suis là parce qu'en fait, il y a 2 semaines, on m'a annoncé que je pouvais presque pas avoir d'enfant. Alors qu'elle en voulait, du coup. Alors qu'elle en voulait, etc. Ouais. Et là, en fait, vous me dites que je suis enceinte. Tu vois, c'est un truc de ouf quand même. À quel point les gens sont incompétents quand même. Ah, parce que là, tu rentres dans l'IRM avec les lasers, enfin, entre guillemets, tu vois, lasers, les ondes. Ouais. Tu pouvais tuer le bébé, entre guillemets, tu vois. Oh là là. Ouais, j'avoue, c'est chaud. On va tant mieux, hein. Et... Ouais, bah oui, mais c'est pour ça qu'il l'a sorti direct et il a arrêté le processus et tout direct, tu vois. Ouais, c'est grave. Une teubée, l'autre, genre. Bah, c'est ça, mais c'est comme quoi il y a des incompétents vraiment partout. Mais là, ça devient grave, tu vois. À ce niveau-là. Mais donc, du coup, tu passes du bas de la réaction, genre elle était en pleurs, etc., tu vois, à. Voilà la montagne d'émotions, tu vois. Lourd, en vrai, bah tant mieux, mon frère, je suis content pour toi. Mais qu'est-ce que je voulais dire, elle t'a annoncé comment, genre? Banal? Du coup, à la radio, en fait, à l'IRM, elle est revenue, elle m'a dit, ben, en fait, je suis enceinte. Ils me l'ont annoncé comme ça, parce que même elle, ils l'ont annoncé comme ça, en fait, en faisant une IRM alors qu'elle était censée avoir l'endométriose. En vrai, niveau karma, niveau émotion, t'as eu le meilleur karma possible, là. Bah ouais, c'est ce que je t'ai dit, en fait, descendre aux enfers et après remonter. Extraordinaire. Incroyable, non? Ouais, tant mieux. Ça fait du bien d'avoir des bonnes histoires de temps en temps. Et juste gamin d'été, ça veut dire quoi? Bah, c'est juste. Voilà, il est né. Comme les gamins de Noël, c'est que t'es né en décembre, des choses comme ça. C'est des expressions. Ça veut rien dire en vrai, tu vois, mais c'est juste ça. Ouais, là, mais là, la passe ce schlag. Ouais, je vais prendre un but maintenant, c'est terrible. Ah, incroyable. Il est trop fort à la barre. Heureusement, il est là, putain. Moi aussi, je kiffe à la barre. On devrait l'avoir à Paris. T'as vu 3, tu devais être content, toi, 3, en vrai. Tu m'as dit quoi? Tu devais être content du 3, hein, toi, en vrai. Ah oui, pour contre Manchester. Oui, tu m'as. Je me dis de quoi il parle. Contre Rashford, il est bien marqué chez nous. C'est... Ouais. Ah. Vas-y, ciao, Poukst. Je sais pas comment dit ton blaze. Ouais, dommage, j'aurais pu marquer sur ça. Il est gaucher, Sané, non? Non, c'était pas Sané, c'était Witzel. Ah ouais. Oh, c'est la même tête. Même chou-fleur. Hein. C'est ça. Aïe, 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 c'est pas... Oh, ça pue du fiac. Oh, ce que je viens de faire, ça pue. Et... Faut que tu fasses des. Oh. Non, mais je fais de la D, je joue tellement mal. C'est... j'ai craqué. Je joue mal, faut pas jouer en live, foot champion. Je suis pas focus, surtout si je parle, je suis un trou de balle. Je sais pas pourquoi je fais ça, frère. C'est pas grave, tranquille, 3-2 et on ira sur Apex après, nique sa mère. Tu peux remonter, en vrai de vrai, tu peux remonter. Oui, c'est pas perdu, mais ça va être compliqué. Je mets une petite enroulée, bah faut que je fasse vite, quoi. Ouais. Petite enroulée bien placée, ça rentre, hein. Toi qui te mets en ultra défensif. Ouais, c'est un offensif, t'inquiète, c'est l'inverse, je suis un peu con. Pas pourquoi j'ai fait ça. Mais putain, mais je comprends pas. Je joue comme une branquiche. Voilà, c'est ça y est, vas-y go, je prends un but. Eh vas-y, c'est mérité, je joue comme un chibre, c'est terrible. Ouais, baisse ta mère, jeu de mes couilles. Hop, Alt F4, ça sert à rien de jouer.
Ouais, hop. Voilà. Enfin, j'aurais pas dû lancer alors que je parlais. Je suis un gros trou de balle. Je savais que ça allait finir comme ça. Bah, de base, je visais au moins hors 1, voire élite. Mais là, vu le start que je viens de faire, 3-2 le start, c'est pas fou. Hein, je te cache pas. Mais bref, 3-2. Après, ça se remonte, hein, mais pas un start de qualité, quoi. On verra bien. Ça m'a cassé. J'ai joué comme un zgegos. Bref. En vrai de vrai, je vais cut ici. Les gars, il est déjà 2h. Faut que j'aille manger. J'ai pas mangé encore. Fais des bisous. Je vous dis à demain avec le stream de GTA et tout ce qui va avec. Et voilà. Des bisous. À demain. Je voulais un peu de live en plus, mais là, vas-y, je parlais et tout. Ça m'a un peu un focus. Ciao, bye bye. Ciao, bonne soirée, les gars.